Voilà, c'est dur la vie. Pendant que les gars sont en train de placer les véhicules là-haut, voilà, petit bain de pied à la rivière. Alors chérie, tu t'es équipée avec un nouvel instrument? Alors je sais pas mettre un morceau. J'aimerais bien, mais bon, c'est pas encore à... Il est pas à toi? Vas-y, fais ta place. Je sais pas dans quelques minutes, peut-être qu'il sera à moi, mais il faut que je m'occupe déjà du... Faut que tu t'occupes du propriétaire. Ça c'est la grande première, jouer du piano comme ça en pleine nature. C'était des formules, et c'était que partiel, il manquait la fin de la formule. Ah, y a Timel qui se ramène avec le... Donc, en plus c'est un truc, une fois que c'est validé, c'est validé. Donc le PNED, bon, j'ai bien aimé faire des études à distance, mais pas avec le PNED. Je comprends. Et du coup là, tu vas changer ou comme tu continues? Alors là, mes études officielles, je les arrête. J'ai eu mon BTS avec 16 données. Et là, je vais faire des actions. Et là, je vais Stéphane qui se doute pas de ce qui se passe dans les coulisses.
c'est ça, c'est la danse contemporaine. Non, c'est une bagarre au ralenti. Je t'ai donné un coup dans la gorge là, t'es assommé, ok? Allez, lance-toi, Jaja, vas-y. Thank you.
Bon matin, on fait des courgettes. Non, en vrai, bon, faut que je les fasse parce qu'elles vont se perdre, j'en ai beaucoup. Mais on a Anna et Jean-Phi qui étaient avec nous hier soir. Donc vous avez les petits instants musique, mais vous n'avez pas dû bien les voir parce qu'on était dans le noir. Voilà, donc c'était Jean-Phi qui était au clavier, au percu par moment, mais que vous voyez pas bien avec le noir, et Anna qui est avec nous, qui est nomade à pied, voilà, et qui nous ont amené, regardez, de quoi nous régaler ce matin. Ouais, des courgettes. Des courgettes. Regardez-moi ça, la belle table, comment on va pouvoir se régaler. Voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'il fout l'autre là-bas, là ? Il va falloir le réveiller ? Ouais. C'est lui qui se dit à chaque fois, ouais, il se lève tard, etc. Comme en ce moment, on ne le voit pas avant 11 heures. T'as compris, Steve, hein ? C'est un petit message pour toi, ça. Tu vas voir la porte s'ouvrir ? Ouais, ouais. C'est pas un arbre de vie, mais c'est un arbre de vie. C'est là-bas, c'est un arbre de vie. Le pain ! Alors Sophie est venue ici pour profiter d'un petit moment de solitude. Et comme on est une famille qui se soutient les uns les autres, on est tous venus la soutenir dans son moment de solitude. Ouais. Voilà. Et du coup, elle est pas seule. T'inquiète pas, maman. Elle est pas seule dans sa solitude. Pour passer les épreuves de la vie. Ouais. Hein? Voilà. Hop. Tic de merde. Non, faut pas faire de pub sur YouTube. Pas bien. Pourquoi faut pas? Pourquoi tu t'es fait mal? Non. C'était tellement. Regardez ce petit cadre magnifique pour vivre la canicule. C'est-il pas beau? On a notre petite île qui va. Ah ouais? C'est une petite île, hein. On est tranquille là. Ah! C'est qui là-haut les tricheurs qui sont pas venus à pied? Voilà! C'est beau, il y a des gens qui sont mis là. Oh. Et là, il y a un petit bac. Magnifique. Ah bah oui, elle est pas chaude là. Thank you.
Bon, ça y est, on fait notre dernière journée sur Espalion. On va partir tout à l'heure. Donc, direction Toulouse. On ne va pas s'arrêter à Toulouse parce qu'on n'a pas le temps, de toute façon. Là, on va vraiment vers la direction pour nos passeports. Et on n'a pas vraiment le temps de gérer, pour s'organiser, pour se positionner en ville, tout ça. A priori, il y a des possibilités sur Toulouse. Il y a beaucoup de parking. Il y a une aire de camping-car pas très loin, du côté d'IKEA, si j'ai bien vu. Mais voilà. Ça risque d'être trop compliqué pour nous à gérer ça tout de suite. Donc on va se trouver un petit spot tranquille pour, on va dire, je pense, une ou deux nuits. Et après, on va en direction de l'endroit des passeports. Moi, je voulais pas tracer, je voulais faire une nuit camping et tout. Aller juste avec le petit véhicule, mais Stéphane n'est pas chaud et c'est vrai qu'on n'est pas encore super équipé pour faire ça. Donc là, on a un agent de service de la voie publique qui vient de passer parce que, on s'en doutait, hier soir, on a une petite dame d'Espalion qui nous a pris en photo. Stéphane a essayé d'aller lui parler. Mais vous voyez, Stéphane est un monsieur qui fait très très peur. Hein ? Tu fais très très peur, hein ? Vous voyez, il fait très très peur. On se méfiait de Stéphane, profileur. Voilà. Et du coup, la dame a fui. Elle n'a pas voulu parler à mon cher et tendre mari. Je l'ai vu repasser ce matin, 10 minutes avant que l'agent de service vienne. Mais j'étais dans le bus, dans mon lit. Je l'ai vu passer par le carreau. Voilà. Mais pas pour nous parler, hein, en loose day derrière et tout. Donc on savait qu'on aurait une petite visite. On pensait hier soir, finalement ce matin. Voilà. Alors, c'est une commune où il est interdit de stationner la nuit, hein, pour les camping-cars. Comme j'aurais expliqué à l'agent, interdire de stationner, c'est pas possible, en fait. Voilà. Donc voilà, on nous a pas demandé de partir. Hein. Ça tombe bien qu'on part aujourd'hui. On nous a absolument pas demandé de partir. C'est juste pour voir si on était bien intentionné. Donc, très sympathique, il n'y a pas de problème. Je pense que la mairie n'est pas réfractaire à notre présence, encore une fois, c'est suite à des personnes qui ont fait trop de bazar. Et du coup, ils ont lancé des interdictions, principalement à cause des feux, à cause des déchets. L'agent était rassuré. Voilà. Et je me plais à expliquer que tout le monde n'est pas comme ça et qu'il ne faut pas cataloguer les gens. Voilà. Donc, quand vous nous demandez si on n'a pas du mal à se poser, un peu quand même, hein un petit peu. Mais ça se fait, voilà, donc ça se fait. Et comme j'ai dit à l'agent, on joue le jeu. On sait qu'on aura des contrôles, on sait qu'il faut expliquer. On sait que, voilà, il faut réhabituer les gens au fait que tout le monde n'est pas mauvais. Il faut arrêter de voir le négatif partout. Et que de s'en prévenir, on se prévient aussi du positif. Donc attention à ça, voilà. Bon. Allez, on va prendre la pâte à café, tranquille, et dans les belles tasses faufileurs. N'oubliez pas le site lafaufileuse.com, la-faufileuse.com. Voilà, Stéphane vous remettra le lien sur la vidéo. Et puis, allez passer vos petites commandes. Il y a plein d'autres produits. Allez, bisous, bonne journée. Up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a minute.